في البداية، هل توقعت تأهل فريقه فاق ستيف الجزائري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ Ben écoutez, c'était, vous savez, quand on arrive dans une quart de finale, surtout à ce niveau-là, avec autant de grandes équipes, on va pas dire qu'on le prévoyait, mais on l'avait dans un coin de la tête. Et bon, voilà, on peut pas. On est quand même l'entente de Sétif. Je pense que c'est quand même un grand club algérien et on se doit d'y penser, on se doit de tout donner pour se qualifier pour cette demi-finale. Et après, voilà, chose qui a été faite, ça a été difficile, mais ça a été mérité. عايزين نعرف سر ظهورك القوي في هذه النسخة من البطولة، خاصة أنك كنت بطل لمباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي. Bon, écoutez, après, bon, le héros, je ne sais pas, mais vous savez, moi, je dis quelque chose. Je pense que le poste du gardien, ce n'est pas comme les autres postes. Le poste du gardien, faut être décisif. Dans sa carrière, pour un gardien, il faut qu'il soit décisif à certaines périodes. Et je pense que j'ai réussi à l'être pendant ce quart de finale. Et ce qui compte, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le nombre d'arrêts ou quoi, c'est d'être décisif. Alhamdoulilah, j'ai réussi à l'être, comme je l'ai déjà été auparavant. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Après, ça reste du travail et ça reste du sérieux et de la concentration surtout. Je pense que c'est surtout de la concentration. C'est plus mental à ce niveau-là qu'une recette miracle parce qu'il n'y en a pas dans le football. هل استفزكم تصريح الكابتن راضي الجعيدي المدير الفني للترجي التونسي بأنه لو كان مكان مدرب وفاق سطيف ما كان نام قبل المباراة، خاصة لأنه سيلعب المباراة في رادس؟ Bon, moi j'avais pas compris. J'avais pas compris ce qui s'était dit. J'avais un peu compris mais peut-être pour certains, après, c'est une provocation, tu sais, vous savez, c'est un peu bas, c'est un peu du bas niveau, c'est un peu de la vieille provocation. C'est vrai, c'est pour un peu allumer le match. Mais moi, je vous dis la vérité, chaque grand match, je dors pas la veille. Après, c'est chaque footballeur comment il est, mais je sais que chaque grand match, mais c'est pas parce que j'ai peur de l'espérance. Bon, après, c'est une petite provocation. Ben, alhamdoulilah, si ça nous a servi pour nous booster, ben, qui continue. Et Inch'Allah. Moi, ça m'avait fait rire. Après, je pense pas que ça ait plus motivé les joueurs que ça. On n'a pas besoin de ça pour être motivé. On joue quand même un quart de finale contre une grande équipe, dans un beau stade, dans une compétition prestigieuse. Donc, ok, oui, peut-être ça nous a touché notre ego. Mais alhamdoulillah. Après, je pense que dans le football, même un grand match, je pense que c'est tout à fait normal. Chacun, pour moi par exemple, avant un grand match ou une grande compétition, ben, je ne dors pas. Donc, bon, s'il a voulu essayer de titiller les Algériens, il a pas réussi. ما هي أصعب اللحظات في مواجهة الترجي التونسي؟ Ah, le dernier quart d'heure, il était très très long. Très très long, très très long. Ça m'a fait penser à un peu en 2014 à Mazembe. Les 15 dernières minutes, je les voyais dans nos 20 mètres. Donc, ils ont énormément poussé et franchement, il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de l'équipe, des sacrifices physiques, mentaux. Il y a des joueurs qui ont fini à plat, donc ils ont tout donné. Donc je suis vraiment très fier de cette victoire. C'est vrai qu'on n'a pas, dans le jeu, on n'a pas été aussi bon que l'espérance, mais je pense qu'on a montré d'autres qualités, et surtout des qualités de mentales et des qualités de cœur. هل فريق وفاق سطيف الجزائري قادر على تخطي عقبة النادي الأهلي؟ Bah écoutez, bien sûr, après, ça reste du football, ça reste le même truc que contre l'Espérance. Moi, je vois pas l'Ahli beaucoup plus fort que l'Espérance. Je vois pas l'Espérance beaucoup plus fort que l'Ahli. Ça serait un match qu'on jouera comme un autre. Ça serait une demi-finale, certes. Mais voilà, après, on sait qu'on va jouer contre une grande équipe. On sait qu'on va jouer contre des joueurs internationaux. Et voilà, maintenant, si on n'arrive pas à être motivé contre des équipes d'un tel calibre, c'est mieux qu'on ne la joue même pas. Moi, personnellement, j'ai envie que ça soit demain le match. Et voilà, après, voilà, c'est le meilleur qui gagne. Et voilà, dans le football, ben, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des déceptions et des joies. Donc maintenant, il faudra se donner à fond et tout donner pour ne pas être déçu le jour J. Mais nous, voilà. On voudrait vraiment éliminer ben, l'Ahli. De toute façon, c'est notre objectif maintenant. Maintenant, vous savez, à ce niveau-là, il n'y a plus
de petites équipes, on ne pense plus trop au titre, on ne pense plus à ces choses-là. Ces deux grands clubs qui vont s'affronter. Et voilà, si on doit barrer la route au grand Ahly, ben, on la barra, même avec tout le respect que j'ai pour ce club, bien sûr. C'est une instance en Afrique. Et voilà, maintenant, nous, on va être à fond pour pouvoir barrer la route à cette équipe égyptienne. Man tachcha min la'ib al-Ahli? Bon, pas spécialement. J'ai joué déjà contre Ahli. Je sais qu'il y a des grands joueurs qui sont partis dans les championnats étrangers, surtout en Angleterre. Je crois qu'il y a Trezeguet et tout ça et tout, mais ça, c'est ceux de l'époque. Maintenant, la vérité, je ne connais pas trop. Je connais peut-être le gardien El Shenawy. Je trouve que c'est un très bon gardien et une pièce maîtresse de l'Ahli qui peut faire lui, qui a été décisif plus d'une fois. Et franchement, voilà. Après, craindre, non, je ne pense pas. On est quand même à un niveau africain. On respecte énormément l'Ahli. On respecte les grands joueurs qui sont. Mais voilà, après, nous aussi, on a des stars. لعب مباراة الإياب أمام الأهلي ستكون في الجزائر عكس مواجهة الترجي التونسي. شايف إن ده هيكون أفضلية لوفاق الصيف الجزائري أم لا؟ Bon, le sort voudrait dire que ça va nous rendre plus facile la tâche. Après, je suis pas sûr. Vous savez, quoi qu'il arrive, on le joue ce match. Après, voilà, c'est vrai que c'est sûr que si on arrive à faire un résultat en Égypte lors du premier match. Au retour avec nos supporters, c'est peut-être pas la même chose. Vous savez, pendant 2 ans et demi, il y a eu la pénurie, la pandémie du corona, il n'y a pas eu les supporters, et là, ils reviennent petit à petit. Et je pense que quand même, dans un match de foot, ce 12e homme peut nous faire du bien. Et je pense qu'ils peuvent nous faire du bien au match retour. Donc moi, je vais dire que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. رأيك في أداء الحارس الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي؟ Comme je vous l'ai dit avant, moi je trouve que je ne connaissais pas plus que ça. J'ai connu il y a quelques temps, il y a quelques années plutôt même. Et moi je trouve que c'est vraiment un gardien complet. Je trouve qu'il aurait pu même peut-être faire une carrière en Europe. Je trouve que c'est un gardien qui est bon sur sa ligne, techniquement très propre, qui est bon dans les airs, au pied, qui a un jeu au pied correct. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux. Après, voilà, c'est son choix, mais. Je trouve vraiment que l'Égypte a vraiment un très très bon gardien. J'aime beaucoup El Shenawy, franchement. كيف ترى المنافسة معه على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة؟ Oh, c'est pas ce que je me dis. Maintenant, si vous voulez, on gagne la Ligue des Champions et je lui laisse le trophée avec grand plaisir. Mais non, après, bon, c'est des petits trucs. Ça, il y a d'autres gardiens aussi. Le gardien Tegmachit du Wydad, il y a le gardien de Petro Luanda. Je pense qu'il y a 4 gardiens de haut niveau et dans 4 grands clubs. Donc, après, voilà, le meilleur l'aura, mais je n'y pense pas spécialement. C'est vraiment, 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 je suis concentré à fond avec l'équipe. Moi, c'est plus un challenge collectif que personnel. Si ça devrait être le cas, ben, ça viendra, ça fera toujours plaisir. بعد أدائك المميز خلال الفترة الأخيرة ما هي حظوظك كحارس أساسي في المنتخب الجزائري؟ أم ترى أن وجود رئيس بولحي سيصعب مهمة تواجدك مع المنتخب حارس أساسي؟ ça je sais pas, je vais pas m'avancer. Vous savez, ça fait 10 ans que je joue en Algérie et je sans prétention, j'ai toujours été bon, j'ai gagné beaucoup de titres, j'ai gagné une Ligue des Champions. Sans qu'on me fasse confiance une fois en équipe nationale. Après, voilà, ce n'est pas un appel que je vais faire au sélectionneur Ben Madji. Il a ses raisons, il a ses gardiens, il a tout. Voilà, je pense que je l'ai mérité il y a quelques années, je l'ai mérité l'année passée, je l'ai mérité, voilà. Mais bon, dans le football, mériter, ça veut pas dire grand-chose pour tout le monde. Donc, voilà, maintenant, j'attends. Si je dois être appelé, je serai appelé. Mais sinon, je ne vais pas commencer à partir dans des croisades qui ne servent à rien de toute façon. Donc, bien sûr, ça reste toujours dans un coin de ma tête, mais bon, voilà. Je n'y pense pas trop. Là, pour l'instant, c'est vraiment... Pour moi, mon équipe nationale, c'est l'entente de cette équipe. هل كانت هناك مشاكل بينك وبين جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري؟ Ah non, non. Oh, non, pas du tout. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Moi, je suis un mec de Marseille à la base. Lui, il a joué à Marseille. Je l'ai applaudi quand j'étais jeune. Donc, non, il n'y aura jamais de problème avec le Belmadji. Après, moi...
J'ai toujours accepté ses choix. J'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Après, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Vous savez, on peut pas être dans la tête d'un sélectionneur ou imposer quelqu'un. Moi, de toute façon, je l'accepterai pas. Donc, non, non, moi, aucun problème avec le staff de la Fédération algérienne de football, bien au contraire. هل مع بقاء الجزائري جمال بالماضي مدير الفنية لمنتخب الجزائر أم رحيله؟ Ouais, j'ai vu qu'il a normalement, je pense qu'il a re-signé. Je pense que ça, vous savez, il y a beaucoup de. Je pense que l'Algérie a été mise sur un piédestal. Vraiment, on a commencé vu qu'on a gagné la CAN 2018, on a cherché directement après la Coupe du Monde, tout ça et tout. Alors qu'on avait oublié que toutes ces années passées, il n'y a pas eu de qualification en Coupe du Monde ou quoi, à part en 2014. Donc, c'était un peu, je pense, un peu prématuré de demander tant à cette équipe qui se construisait avec ces multitudes de grands joueurs. Et bon, je pense qu'il faut la laisser tranquille un petit peu. La sélection, quand on la laisse tranquille, quand on ne lui met pas de pression monstre ou quoi, c'est là où elle a été bonne. On commence à embêter tout le monde, que ce soit le coach, le président, tout le monde, les joueurs et tout, ben c'est là où ça a flanché. Maintenant, voilà, là, il n'y a pas de qualification. Je pense qu'il faut se remettre à travailler, à chercher de talent, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et Inch'Allah, avec le temps, on reviendra pour la prochaine CAN directement déjà, et après pour les autres Coupes du Monde, Inch'Allah. ما هو الفريق الذي كنت تتمنى اللعب فيه يوما ما؟ Bah écoutez, moi je suis assez chief, vous savez, pour l'instant, depuis que je suis arrivé en Algérie, c'est pour moi c'est le symbole de ma carrière. Donc, j'ai 33 ans maintenant, j'aimerais, si c'est possible, finir le plus tard possible à l'Entente, à un très bon niveau. Pour l'instant, je ne me vois pas ailleurs. Après, on verra s'il y a des propositions, des trucs comme ça. Il y a toujours eu des propositions, mais voilà, moi j'ai ma stabilité à l'Entente et. Malgré qu'il y a des petits problèmes au club, mais alhamdoulilah, on les a toujours affrontés et je suis très bien ici. هل كنت تتمنى اللعب في فريق أوروبي؟ Ah, mon équipe, on va dire entre guillemets de rêve. Moi, en fait, je suis un fervent supporter de l'Inter de Milan. Donc, j'aurais bien aimé jouer à l'Inter de Milan. Ça aurait été magnifique, mais bon, c'est un peu trop tard, je pense. ما هو أفضل حارس في تاريخ أفريقيا من وجهة نظرك؟ Quand j'étais petit, ma première Coupe du Monde que j'ai regardée, c'était la Coupe du Monde 98. Et je voyais Choukri El Ouaer, gardien de la Tunisie. C'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Après, j'ai vu le gardien de l'Égypte. Je ne peux pas dire son nom exactement, le gardien de l'Égypte. Le gardien emblématique de l'Égypte, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais c'est vrai que je pense que les deux, c'était pas mal. C'était du haut niveau. Choukri El Ouaer. Il y a eu Kameni du Cameroun. Il y a eu il y en a plein d'autres. J'ai plus le nom de bon, il y a El Shenawy. J'ai plus le nom de l'ancien gardien de l'Égypte. J'oublie à chaque fois son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a plein d'autres. Il y a eu Jack Sango à l'époque, les années 98, du Cameroun aussi. Après, ouais, il y a Bounou du Maroc. Après, c'est à peu près ça que je connais, quoi. Tidjaba du Congo, j'ai connu aussi, j'ai joué contre lui. ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال مسيرتك الكروية؟ Bah écoutez, moi j'ai été formé en France à la base. Après, j'ai eu un petit passage où j'ai dû, en fait, partir du centre de formation là où j'étais. Et rentré dans la vie du footballeur amateur. Donc, j'ai joué en troisième division. Après, voilà, je pense que la difficulté que j'ai eue, c'était plus un manque de confiance externe. J'avais la motivation, j'avais, je pense, les qualités pour jouer dans un bon niveau en Europe. Après, voilà, ça a été fait comme ça. J'ai pas réussi à plaire à certains clubs. Donc, je me suis retourné malgré que j'avais des propositions en France, mais je me suis retourné vers mon pays d'origine, l'Algérie, qui m'a donné une chance inouïe à l'entente de ses chiefs. Et après, voilà, j'ai continué ma carrière comme il se fallait. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai déjà fait pas mal dans
dans ma carrière. Donc, j'espère continuer et pour l'instant, je m'y plais. هل هناك علاقة طردية بين تألق الحارس عندما يكبر سنه؟ نرى خلال الأوان الأخيرة أن الحراس يتألقون كثيرا عندما يتخطوا 30. C'est à peu près là, vous avez à peu près dit la réponse, c'est une question de maturité. Je pense qu'un, à part rares sont les gardiens qui arrivent à avoir une maturité à très jeune âge, à 20 ans ou 22 ans. Et il y en a, style Donnarumma, même si je pense que son début de carrière à Donnarumma n'est pas le Donnarumma de maintenant, par exemple. Mais c'est vrai qu'un gardien arrive à 30 ans et on va dire complet, il a amassé énormément d'expérience. Il a vu beaucoup de situations. Et en fait, gardien, moi, comme je vous dis, c'est, je pense que 70 à 80% du poste, c'est mental. Donc, si mentalement, tu es faible, si mentalement, tu es fébrile, tu ne peux pas être en qualité physique moyenne ou être moyen dans certains domaines ou quoi. Mais si tu as un gros mental, tu seras un bon gardien. Pour moi, je vois vraiment le poste comme ça. Donc, après, voilà, bien sûr, il y a l'intelligence, tout ça, tout qui rentre en compte. Mais ça rentre dans le mental et je pense que quel gardien au-dessus de 30 ans mentalement est beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et il gère mieux ses émotions. Donc, je pense que c'est pour ça, là, entre guillemets, on va dire que les gardiens un peu plus âgés sont un peu meilleurs que quand ils étaient jeunes. شكرين جدا يا كابتن وسعداء انك كنت موجود معانا النهارده نورنا في موقع في الجول شرف كبير لنا تواجدك معانا ونتمنى لك حظ سعيد دايما